être fort mentalement, c'est important. Il faut avoir une bonne mémoire, il faut quand même avoir des bases mathématiques et un peu de psychologie. Mais c'est vrai que la dédication, c'est très important. Il faut aussi être très honnête avec soi-même, parce qu'au poker, c'est facile d'accuser la malchance ou ce genre de choses. Faut toujours avoir envie de progresser, mais aussi être honnête avec soi-même. Et pas, parce que quand on perd, on peut juste dire ah, j'ai pas eu de chance, je peux rien y faire, et pas regarder les mains. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chance, beaucoup de fois on n'aura pas de chance et on pourra rien y faire, mais on peut quand même toujours essayer de progresser. C'est tous les petits détails sur chaque main, et même si on n'a pas eu de chance, essayer quand même de progresser, essayer d'apprendre de ses erreurs au maximum, et c'est le plus important, je pense. Alors là maintenant, je m'entraîne particulièrement depuis août dernier, en fait, où j'ai engagé Stéphane Matteux, qui est un ancien joueur professionnel de tennis. Donc il est mon coach et agent, et il m'aide à m'entraîner physiquement et mentalement aussi. C'est vrai que c'est important, parce que il y a des fois où on doit jouer très longtemps, ici peut-être un peu moins, mais il y a des terrains de tournoi de poker où j'ai pu jouer de midi jusqu'à 4 heures du matin. Et donc c'est important d'être en grande forme physique, parce que c'est facile de faire d'être un peu fatigué à la fin et de faire des erreurs. Et donc le poker, c'est vraiment très important d'être à 100% tout le temps, parce que il y a beaucoup de joueurs qui jouent très bien et qui peuvent très bien jouer pendant quelques heures, mais très bien jouer pendant 12 ou 14 heures d'affilée, ça peut être difficile mentalement comme physiquement. Donc c'est vrai que c'est important d'être bien préparé. On fait beaucoup de préparation physique, et après mentalement, c'est vrai que j'ai un peu de la chance j'aime bien la pression, en fait, et j'arrive mieux à performer quand il y a plus d'enjeux. Donc ça, mentalement, il n'y a pas tant que ça, mais c'est vrai que physiquement, je m'entraîne plus régulièrement. J'essaie d'aller à la gym presque 4 ou 5 fois par semaine, de faire la préparation physique, et un peu plus axé sur l'endurance, et essayer vraiment d'avoir un style de vie équilibré, de bien dormir et bien dormir avant les tournois, et d'être bien prêt mentalement comme physiquement. C'est vrai qu'online, ça va beaucoup plus vite. On joue plus de mains, on peut faire plus de tournois en même temps. Donc il y a plus Alors que la première fois que j'ai fait des tournois live, en fait, c'est vrai que ça a été un petit peu plus lent, l'action, mais le gros avantage des tournois live, c'est vrai que c'est que les tournois sont plus gros en termes de buy-in, ils sont plus médiatisés, et les joueurs aussi ont un peu plus peur. C'est beaucoup plus facile d'intimider beaucoup plus de joueurs live, parce que quand il y a des joueurs qui dépensent 10 000 euros et qui viennent jusqu'à Monaco pour faire un tournoi, ils n'ont pas envie de faire. Ils font beaucoup plus attention à la manière dont ils jouent, donc c'est plus facile de. Ça peut des fois être plus facile de les bluffer, parce qu'ils n'ont pas envie de faire une erreur et de sortir les premières heures, alors que sur Internet, c'est des tournois avec un buy-in moins important, et il y a certaines fois où les joueurs prennent ça avec un peu moins d'importance. Mais c'est vrai que les deux sont importants, je pense. C'est vrai que sur Internet, on peut jouer plus de mains, et c'est vrai qu'on peut plus. On faut faire plus confiance aux statistiques, alors que quand on joue en live, c'est vrai qu'on peut un peu plus jouer les adversaires. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus d'attentes de la part de mes adversaires, mais des fois ça joue un peu en ma faveur aussi. Ça dépend des fois, mais c'est vrai que ça peut jouer en ma faveur, parce qu'il y a des adversaires qui ont peur de jouer contre moi, et qui coucheraient des mains qui ne coucheraient pas contre d'autres joueurs, parce qu'ils veulent pas jouer contre moi et qu'ils ont peur de ce genre de choses. Mais d'un côté, il y a aussi d'autres adversaires qui veulent plus jouer contre moi, parce que justement parce que je suis connu, et qui veulent juste essayer de me bluffer ou ce genre de choses. Donc il faut essayer de toujours bien analyser l'adversaire et leur motivation, et de voir l'image qu'ils ont de moi, en fait, ceux qui veulent vraiment jouer contre moi, ceux qui ont un peu peur de moi, et essayer d'utiliser ça à mon avantage. Le conseil le plus important, je pense que c'est ce que j'ai dit avant, c'est d'être honnête avec soi-même, et d'essayer de toujours analyser les victoires comme les défaites, analyser ça avec du recul, et être objectif, et être honnête avec soi-même, et essayer de toujours vouloir progresser, et d'essayer vraiment de toujours de jouer au max. C'est toujours améliorer son jeu, en fait, et après les résultats viendront, je pense.